faut rester optimiste et garder espoir. Si Jamie Frederick, capitaine des gardes-côtes américains, ne baisse pas les bras, les recherches se poursuivent pour retrouver le sous-marin Titan disparu. Parti visiter l'épave du Titanic, à près de 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, le submersible avec 5 touristes à bord, dont un Français, est indétectable depuis ce dimanche 18 juin dès 9h45, bien que l'alerte n'a été donnée aux gardes-côtes qu'à 17h40. Les réserves en oxygène de 96 heures à disposition des passagers s'amenuisent, plusieurs pays ont déployé du renfort pour retrouver l'appareil. Selon les informations du site OceanGate, relayées par le Daily Mail, une lueur d'espoir est apparue ce mardi 20 juin lorsqu'un avion de recherche canadien Page 3 a détecté des sons provenant de l'eau. Dans la foulée, Jamie Frederick a assuré que d'autres sons avaient été entendus mercredi 21 juin. Supérieur à supérieur à quand le prince William boit à la santé des sous-mariniers heureux, il s'agit d'une mission de recherche et de sauvetage à 100%, le capitaine a toutefois précisé, pour être franc, nous ne savons pas ce que sont ces bruits. Ils ont été décrits comme des bruits de claquement, mais ils ne sont pas concluants. La bonne nouvelle, c'est que nous menons des recherches dans la zone où les bruits ont été détectés. Pour l'heure, les bruits entendus seraient analysés par une équipe d'experts, indiquent nos confrères britanniques. Jamie Frederick explique alors que les équipements utilisés pour les recherches ont une limite de profondeur de 13 000 pieds alors que le Titanic est enterré à 12 500 pieds de profondeur. Se voulant rassurant, il ajoute, il s'agit d'une mission de recherche et de sauvetage à 100%. Nous sommes en plein dans la recherche et le sauvetage. S'il garde espoir, il sait que si aucune trace n'est trouvée, il faudra alors prendre une décision difficile, mais nous ne sommes pas encore là. Et insiste à nouveau, lorsque vous êtes en pleine recherche et sauvetage, vous devez toujours garder espoir. Crédit photo, OceanGate Expédition via Best Images.